Et voilà. Intro? Oui, intro. Killing in the name of... Comment ça, c'est pas bon pour HZD? Si, si, je vous garantis que ça va marcher. Regardez comme il neige, quoi. J'entends déjà le Père Noël avec ses grelots qui arrivent. On est dans HZD en New Game Plus, Very Hard, et on va aller se friter ce soir. Je suis un petit peu remonté. En plus, j'ai envie de tester cet objet que j'ai découvert, qui n'est rien d'autre que la tenue de chef Verak Banouk. Elle fait remonter la santé progressivement. Alors, du peu que j'en ai vu, c'est très progressivement, apparemment. Et je viens d'en récupérer une autre, j'ai pas fait gaffe. Pour la discrétion maximale, j'ai pas très envie. Honnêtement, vous me connaissez. Oui, le bourrin qui est en moi. N'attend pas de sommeiller pour foutre le bordel partout où il passe. Où j'en étais? Alors, je sais plus trop. Ça lui va pas trop, ces fringues. Franchement, regarde-moi comme... Mais t'as l'air trop conne avec ton... C'est quoi que t'as sur la tronche? On dirait un vaisseau de shmup. Regardez-moi ça. En plus, elle l'a mis à l'envers. Mais quelle est conne. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. On va aller dépecer du robot. Et apparemment, il y a de la demande. Alors, est-ce que j'ai des annexes? On va regarder la gueule que ça, mais... Au fût du tonnerre. Ah oui, c'est tout là-bas. Mais j'ai déjà fait deux épreuves, donc j'ai bon, là. Vous pouvez me lâcher la gauche. Peut-être même la droite aussi. Inondation, ça va être un truc souterrain. Je sais pas si vous avez très envie. Hein. Survivante. Trouver les chasseurs disparus. Celle-là, elle est pas mal parce qu'elle est un petit peu rude. On va peut-être se la faire. Bon, récompense pour le traître. C'est tout de l'autre côté, on s'en bat les... Ouais, voilà. Et armure antique, ben, je l'ai déjà. Donc c'est peut-être pas trop la peine d'y retourner. À moins que tu me trouves une armure antique avec des emplacements, buddy. Mais j'y crois pas trop. Oui, je vous rappelle que l'armure antique, c'est cette armure-là. Qui est vachement bien, parce que moi je l'aime beaucoup, elle m'évite de regarder des curseurs à l'écran pour savoir où j'en suis niveau vie, niveau possibilité. Et elle a une alerte sonore très très pratique, c'est-à-dire que vous prenez deux gros impacts, l'armure les absorbe, mais le troisième va passer au travers et entamer votre vie. Et du coup il va falloir lui laisser un peu de temps, qu'elle se recharge pour à nouveau pouvoir absorber deux chocs, et tout doucement derrière elle va remonter votre vie. Ce qui, par rapport à celle-là, je trouve quelque chose de mieux. Bon, celle-là, elle est sympa parce que du coup, elle fait un peu pareil. À part qu'elle protège vraiment pas beaucoup niveau choc, apparemment, du peu que j'ai vu. On va le vérifier tout de suite. Et elle peut être buffée sur le côté offensif. Quand on veut aller aux tapes dures. Le problème, elle est surtout buffée au côté élémentaux. Après, le reste, tapes dures, c'est pas si évident que ça. Donc celle-là, je vais oublier. On se prend quoi comme quête? Bonne question. J'avais dit récupérer les crétins, là. Inondation, non. Ça doit être celle-là. Ouais, on va aller chercher les crétins qui sont là-bas. Alors j'ai quoi sur le chemin? Bah, j'ai tout à faire, puisque j'ai pas mal de choses que j'ai pas activées. Il me montre la moitié des indications, ou c'est moi? Non, ça doit être moi. Ok, bon, on va remonter tranquille là-haut. Alors lui, pourquoi il a une étoile? J'en sais rien. On le verra bien en cours de route. On va aller faire un petit tour. Hein. Donc zoup zoup zoup, je suis là, je passe dans la vallée, je remonte ça. Je sais pas ce que c'est ça, mais on verra bien. On va faire dans l'ordre. Et on va se faire cette mission, vraiment. Really. Active la quête. Oh, que t'as l'air conne, ma pauvre à l'œil. Je passe par où, moi, pour démarrer là? On va se prendre une monture, hein, c'est pas un luxe. Bon, je vais pas mouiller les pieds. Si. Les pieds là. Hop, hop, hop. Oh, hop. Très utile. On appelle un taco. Et on va aller foutre le Bronx sur cette map. Ou se prendre une dérouillée, hein, c'est aussi une autre option. Oh, t'as des cornes, toi, je t'aime. Oui, j'adore les bêtes à cornes. Pas les escargots. Hein. Des belles mules comme ça, regarde-moi ça. Il fait beau aujourd'hui, la neige est fraîche. J'ai mis du fart bleu. Ça va chier dans le ventilo, comme on dit. Regardez-moi cette vue. Vous ai-je dit déjà que le jeu était... Ouais, je vais me taire. Je suis fou de ce jeu, quoi. Ces décors, c'est incroyable.
Ça tourne sur une machine de l'an 2020. Chez n'importe qui peut avoir une machine de l'an 2020. Un peu cher, certes, mais c'est bao. Ça va? Non, je passe, c'est tout. Vous excitez pas, les choux. Oh là là, on est de la même race. Allez-moi laisser tes deux. Ils sont vraiment cons, hein. Même entre eux, ils se fritent. Attends, j'en passe là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par là? Je pense que sur le chemin, je vais tomber sur une tour ou une connerie comme ça. Non, pas des étincelles, pitié, j'ai pas envie. Elles me gavent, ces étincelles. Elles sont pénibles à viser. Elles sont pénibles en gameplay. Ah, mais tu fais de la merde, mon taxi. Bref. Épargnons-nous, la pénibilité. Attention, les mecs. Trop tard. Je les ai évités, mais c'est... Niveau constat, ça serait pas passé. Attends, je descends. Voilà. Je me doutais bien qu'on serait là. Ouh. Alors, c'est pas mal, parce que cette map, cette partie du jeu, j'avais pas deux crasheurs, mais j'en avais qu'un seul à l'époque, et il y avait des copains aussi. Il y en a trois. Ça va être dangereux même. J'avais donc pas ça, et j'avais des tigrous avec. Alors, c'est peut-être des panthères invisibles qui sont dans le coin, je sais pas. Mais n'allez pas croire qu'ils sont tout seuls, les Lascars. But du jeu, tant que j'ai pas neutralisé la tour, ça sert à rien de leur taper dessus, puisque... C'est quoi qui est là, qui a gelé? Mon robot. Ok, oui, il est neutralisé, le pauvre. Pauvre monture. Donc on va essayer de se les faire de la manière la plus sale possible. Sachant que la manière la plus sale possible, ça va être... Je vais les laisser douter, hein, un petit instant. Et je vais leur pourrir le terrain. Mais avant de pourrir le terrain, il faut que je neutralise cette tour, c'est important. Alors je vais déjà mettre des pare-fous, au cas où ça se déroule très très mal. Pour éviter qu'ils me foncent dessus comme ils auraient envie. Ce sera déjà bien. Ensuite, après on va refaire un stock de munitions. Quoi, c'est pas possible. Ah, je vais moi faire le malin alors. Ok, on va flinguer cette tour. On va voir comment ça se passe, s'ils réagissent, s'ils se rendent compte de quelque chose. Bon, ça, je vise comme une burne. Ouais, je suis à peu près d'accord. Ça, c'est check. Donc maintenant, ces idiots peuvent plus être buffés. Mais c'est pas fini. Ils ont un peu spoté l'animal. Je vais changer de coin. Je vais courir la gueule avec ça. Des fois qu'il est l'idée de passer jusque là. Merde. Il n'y en a plus, ok. Désolé. Oh, vraiment désolé en fait. Attention bubule, il y a des pièges. Non mais je te le dis parce que je suis sympa aujourd'hui. Tu veux cracher des quoi? Des flammes? Non bah je vais m'éloigner justement. Oh, regardez-moi ça. Ah ils sont costauds hein. Ils ont beau pas être buffés, ils ont un niveau d'armure, les impacts, ils les gèrent pas trop mal. Ouh là, heureusement j'étais pas à côté de celui-là parce qu'il devait être dégueulasse. Pété. Trois. Deux. Un. Maintenant. J'avais prévenu, je le connais un peu le jeu maintenant. Et on va finir le pépère avant que les deux autres prennent la relève. Ouais, j'atteigne les trucs sous son menton, mais franchement j'ai pas trop envie de lui gratter le menton vu ma position. Est-ce qu'il en voit? Mais ça m'intéresse à rater.
Regardez ce qu'il a entre les jambes. C'est un peu vicieux, mais c'est la partie la plus sensible qu'il a. Sous le menton, c'est un peu foireux. Ah, j'y vais là-bas. Check. Alors, je crois que j'en ai un dans le coin là, faut que je me méfie quand même. Je peux m'en sortir. Je suis là, les gars. Tout ça pour un truc vert, dégueulasse. Je suis la déception de Jack. On va électrocuter tout ce petit monde des fois qu'il est l'idée d'approcher. Oui, mon armure, bordel. Faut que je m'en rappelle aussi, hein. J'ai pas la même armure qu'avant. Donc, j'ai beaucoup moins de confort, je trouve. Moi, c'est le gros tic, là. Oui, dans la presse, il y a les gros tics. Et bon, HZB, il y a les gros tics. Ah, on va parler. Ah, pas vu venir celui-là. Bon, ils sont deux à peu près match nul, là. Ça va être sympa. Je vais leur envoyer mes félicitations. C'était mes félicitations, oui. C'est spécial, mais ça marche bien. Viser ce qu'ils ont sous le menton, c'est improbable. Si je pouvais le coucher. Oui! De toute beauté. Et là, je lui tape entre les jambes parce que c'est là la partie sensible que je cherchais tout à l'heure. Oh, il m'a tapé quand même. On y retourne. Oui, il y a frangin, faut s'en occuper quand même. Je voudrais pas qu'il nous fasse une petite déprime. Hop, pardon. Les amis, un petit feu, on va le prendre. Je suis un peu loin du micro. Oui, c'est normal, je me suis éloigné de l'écran, ça m'en met plein les yeux. Comment je fais pour que le micro se casse pas la gueule? On va gérer ça. Hop, vous devez être pas mal. Putain, il va se casser la gueule ce micro quand même. Bon, on va dire c'est bon. Oui, c'est mon taxi. Alors, il y a encore la musique comme si je m'étais fait engager par quelque chose. J'ai vu des flammes là, mais
Ouh, ça va être rigolo. Alors, eux, ils sont super vénères. La grilleuse démoniaque, le souci, c'est qu'elle fait des bonds assez incroyables sur des distances complètement déraisonnables. Donc je vais me réorienter vers mon sujet principal. Ce sera beaucoup mieux. Et on va aller poser notre feu de camp là. Ça va bien. On est sur la bonne route. Ouais. Je suis même pas obligé d'aller au feu de camp. Hein. Il faudrait que je trouve ce truc de pigment, c'est pas mal. On va se faire ça sur la route. Hop, bonne veille. Sous les droits ma mule, je pars au niveau mule. Minou, t'es où? Je t'attendais, moi. Allez, Minou. Alors, pas très intéressant. C'est joli ce. Je suis pas désolé, mais je vais faire la tofu. Parce que le contre-jour avec les reflets glacés là, ça a de la gueule, je trouve. On va essayer de se caler un truc sympa. Bon, déjà ça par défaut, c'est pas trop deg. Comme ça, mieux. Et on va la reculer un peu. Pas trop, parce que les grains vont devenir vraiment trop opaques. Oui, trop opaques. Essayez de le dire chez vous, c'est pas facile. Mais oui, un joli contre-jour comme ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. De voir ce que ça donne en noir et blanc, ça. On sait plus si c'est un océan de glace ou un vrai océan, quoi. Voilà, oulala, oh, lovely. Ah, oh, oui, ça me plaît, ça. Tout simple, tout joli. Je vais pas approfondir, on va y passer 107 ans, c'est pas le sujet de ce soir. Mais ça n'empêche pas que je me prendrai des petites photos hein, tout le long. Toi tu peux pas rentrer je crois. Si. Bonne nouvelle. Je savourerai longtemps ta victoire sur les bandits de pierre. Oh, je vais faire un petit peu une séance fun crafting parce que j'imagine que je suis full de chez full. Mais même Marianne n'est pas aussi des fesses full. Oui, Marianne fesse full. Ouh, jeune mollet, on n'est pas dimanche, samedi soir, ça compte. Allez, ça compte. Et je vais me trouver ce petit truc à la noix qui doit être dans les bassins d'eau chaude là. Hello, hello, is it me you're looking for, bitch? Bitch. Allez, quand on parle de la bitcha, on envoie le tcha. Ce truc a une teinte étrange. Ah ouais. Alors tu vois si ça ne donnerait pas une jolie photo ça des fois dans l'autre sens. Oh. Oh. Oh là là.
Bon, là, elle a une pose de merde, mais rien n'est perdu. Regardez-moi ce ciel d'acier. Elle aurait pas une pose moins débile. Salut, j'attends le bus. Salut, je fais la con. Salut, je suis dans le Titanic. Salut, Lulu. Fais pas ta pose love love. Sur la focale un petit poil. C'est pas mal, comme dirait le poète. C'est bien. Moi j'aime bien la dominante de bleu de celui-là, peut-être. Too bad. Entre les deux, je me tâte hein, quand même. Parce que là, ça fait quand même bien fouillis. Hein. Je vais en mettre une de côté, on sait jamais. C'est rigolo parce que ça, c'est des bains naturels qui existent en Turquie, entre autres, mais sûrement dans d'autres endroits du monde. Et c'est assez magnifique à voir, hein, tous ces trucs calcaireux qui ont vomi comme ça et ont créé des piscines naturelles. C'est un truc de barjot. En fait, il m'emmerde ce branchage au milieu là. Il me pète le groove. Ça, c'est pas trop mal. Et ne serait-ce pas un grand coup que je vois à gauche? Oui, mais il est en sale état. Ok, sur la map, on continue où? On va aller faire shopping. Et surtout, fourguer les merdouilles que je trimballe. Oh, je suis déçu. Mais tu prendras bien de mes ressources, mon bon ami. Alors, faut pas que j'oublie, j'ai 2-3 trucs à crafter encore pour agrandir mes inventaires. Et essayer de les passer niveau supérieur. Pas mal. Hein. Alors les modifs, j'en ai plein de pourris à dégager. Oui, monsieur a pris des goûts de luxe, hein. C'est que du haut de gamme maintenant. Vert ou bleu, ça dégage. Et on est pas mal. Acheter, bah, je vais acheter les munitions qui me manquent.
Ça va aller. Piège. On est bon les amanches. Qu'est-ce qu'il aurait me proposé le bougre? Survivante Nora. Mais elle a que trois emplacements. Moi j'aimerais bien en avoir 4 en fait. Et puis je vais reprendre ma... Je vais me rééquiper avec ma tenue que j'ai déjà. Qui est vachement bien. Bon là je vais juste claquer des sous parce que je suis pété de thunes. Ça attendra en fait, je peux attendre d'avoir fini les jeux pour finir ça. Arme, est-ce qu'on aura du neuf? Fronde expert, j'en ai déjà. Bah, tu as que dalle mon bon ami, je vais m'en aller, tu m'as déçu. Oui, je sais. Tu veux que je te ramène des trucs de où je vais? Bah, on verra après. Allez-y. Plop, qu'est-ce qu'on a sur notre route encore qui va être marrant? Ah bah on a encore un autre machin. Allons chercher le machin. Alors j'ai dit que je remettais ma tenue glamour. Parce que je suis pas désolé, mais... L'armure antique me va très bien. Alors est-ce que j'essaierai celle-là? C'est de la discrétion, ça m'intéresse vraiment pas. Par contre je vais l'équiper en modif. Ça me grattera 4 places dans l'inventaire. Négligeable. Alors. Pour l'électricité, ça me fait pas grand chose. Le gel non plus. Les flammes, ça pique quand même. On va lui mettre ça dessus. C'est tout? Anti-attaque de mêlée, anti-attaque distante, ouais, flippé. Boum, la blague équipée, la louloute. Mais on va pas mettre celle-là, puisque moi, vous savez très bien que ma préférée, c'est celle-ci. Elle me va très bien, même si elle a aucune modif. Allez-y. Vers l'infini et peut-être au-delà, et... voir plus loin, hein. Probablement. Du coup, j'ai plus de pièges. Allez. Ah, ça sent la grimpette. Par où je dois monter? J'ai le temps avant de monter déjà. Je suis coincé par deux arbres très méchants. Mais toi-même? Je crois que j'ai de la glace entre les dents. Fais bien comme tu veux, cocotte. Pourquoi je peux pas grimper là? Ok. Y a pas que les bannis qui aiment les pierres précieuses. Alors, je me sers pas du tout des armes hein, qui sont fournies là, sur ce niveau là, l'espèce de canon. Je les trouve assez quelconques, on va dire. Mais... Et voilà, instant. C'est bizarre que j'ai pas de but bestieux. Vous demandiez des bestioles, vous êtes servi.
Grilleuses démoniaques. Alors oui, elles font des bons monstrueux. Elles sont trois, donc ça va être un peu chavot. Hein. On va essayer de les éviter en fait pour l'instant. On va focus sur la mission, ce sera très bien. Le problème c'est que c'est une grosse descente ça. Bon, discreto, ça se gère. Regardez, elle va rien calculer. Je vais passer dans son dos. Tranquille. Pam 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 pam. T'as vu ça la finesse? Il me voit plus. Hop là. Ah, bah j'ai les godasses trempées, ça y est, ça recommence. Ouh, c'est quoi ces grosses barres? J'ai une surprise derrière la barre rocheuse, ça va être moche. Ouh, ça cavale. Ouh, ça frite déjà. Ils m'ont pas entendu, les gars, pour se la donner. Alors, pour l'instant, je vois que les petits trucs. C'est un côté ridicule. Mais, de mon avis... Ah, il y a un peu de monde là-bas dessus. On va se le flamber rôti, lui. Hein. Il mérite. Je t'ai trouvé. Blutch. Apparemment, c'est une zone de chasse. Hein. Il n'y a rien de très méchant. Hop. Nous. Ok, où hein. Oh le jump. Et c'est plus ça. Et ah bah ça, on dirait une puce sauteuse. Bim. Long. Qui t'en veut? Ah j'en ai plein moi. Oui, c'est moi. Ah, qui d'autre me rejoindrait sur la voie que j'ai choisie? Et de quelle voie on parle? Loin des traditions. Loin du Vérac. C'est pas si... Alors, avec les filaments violets, ils sont bien remontés, les pépères. Ils ont besoin de métal. Là, je vais pas les tomber en deux coups. Il en faudra peut-être un ou deux de plus. Et vu qu'ils sont en meute. C'est vrai. C'est vrai. Sauf moi. On va gérer ça, c'est ible. Mais vraiment très ible. J'ai tombé, pas cher. Ouais, je fais shopping, hein, tant qu'à faire. Oh, il y a des étincelles au milieu, ça va être la merde. Bon sang de petit bois, je suis au mauvais endroit là. Oui, bon sang de petit bois, c'est très désuet comme expression, mais ça va parfaitement avec la situation. Je laisse la miss se bastonner toute seule, ça c'est rigolo. Je suis pas du bordel là. Le couche panier, on a dit. Oui, c'est le mot.
un beau carnage, ça s'appelle ça. Ouais. S'occuper des étincelles maintenant parce que ça va être un petit peu pénible. C'est vrai que ces pierres sont particulièrement irritantes. Alors le tit-tit-tit hein, que vous entendez, c'est mon armure qui se recharge et me permet de me protéger deux gros coups du rond. Passer ce délai, c'est froid plus quoi. Blaoum. Voilà qui est check. Reste. Bon, je crois qu'on a fini. Un peu bordélique, mais enrichissant. J'ai oublié de ramasser les bonus qui sont en dessous parce qu'il y en a une tripotée apparemment. J'arrive. J'ai fini mon shopping. On est parfait. Une étrangère? À la tête d'un Vérac? La plaie est plus bizarre que je pensais. À qui me dis-tu? Beau combat. Je m'appelle Ikri. Merci. Je suis Aloy. La Dent Blanche avait perdu deux chasseuses. Mais tu n'as pas l'air d'être retenue, alors... Je suis là pour la deuxième. Mélène. Elle s'est cassée la jambe sur la glace. J'ai essayé d'être patiente, mais elle doit rejoindre le Vérac avant qu'il parte. Alors ramenons-la au Vérac. D'accord. Oui, elle est essentielle, pour toujours. Sa jambe. Des herbes pour la douleur, mais je te préviens, elle refusera de les prendre. La loi de la survie. La loi de la survie doit nous éloigner de ceux qu'on apprécie. Même s'ils ne pensent que par la loi. On y go. On n'est pas là pour... Ça serait marqué. Oh, mon souffle gèle avant même que j'explique. Conne, bah, tu m'as fait le même coup la première fois. Je sens que mon inventaire va être ruiné parce qu'il va pas tarder à être plein. C'est là que nous allons. Le flot gelé du père de glace, il a pris beaucoup. Mais il ne la prendra pas, elle. Pas si on peut agir. On a de la chance.
Les prises se sont dégelées. Là. Oh, les pénibles. Il n'y aura pas que les pénibles. Les machines avant qu'elles l'atteignent. Encore une tradition brisée. Tu peux me croire, ça devient plus facile avec le temps. Oui, les croisés, ça marche bien. Ils sont plus speed. Hein. T'es grilleuse maintenant. Ça va pas être facile à l'œil. Mais si. Et confiance. On bouffera leur cœur avec des fèves. Où qu'elles sont. Ah, voilà. On va sécuriser comme ça, hein, ça marche bien. À travers la bougresse. Oui, l'idée c'est de passer, de foncer dessus quand il me fonce dessus. Ça marche très très bien comme technique. Moi sur le côté, bordel. Non, 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 on s'en va. Hop, 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 hop. On se barre. Regardez le beau joujou que je viens de trouver. C'est vrai que je m'en sers contre un ennemi. Et là, il va les prendre.
On va se reprendre de jouer. Voilà, il fait bien jouer. Oh la vache. Sens bordel de... Je dirais pas quoi. C'est dangereux cet engin. Plus de munitions, je me dèche. Mais je vais la finir. Chouchou les amigos. Hein. Ah, j'avais prévenu que cette version New Game Plus VR de HZD, ça allait envoyer un petit peu du foin. Hein. On va se refaire un peu de matos. Je redoute vraiment le combat final puisque c'est une très petite arène. Il y a encore d'espace, mais là-bas. Hein. C'est une toute petite arène et ça va être vraiment bordélique. Et deux coups et je vais sécher. Donc c'est pas pour me rassurer en fait. Oui, jamais gâcher de matos, c'est important. Non, il n'y a pas des petits bouts de bonus qui traînent encore, non c'est bon. On va en avoir mais c'est pas très important. On sait jamais, ça peut servir. Voilà, Blady, blablabla. Je dois écrire. Qu'est-ce que je suis? On avance. On avance, c'est une évidence. On avance. Quoi, du Souchon? Non, monsieur, c'est dans votre tête, ça, les gars. Jamais ça me passerait par la tête de d'user de cette référence. On est juste en train de faire la balade de Jean, tranquille. Ah, zut, ça recommence. On est à peu près bon. Où qu'on va, du coup, les amis? Parlez au chef de la dent blanche. Mais où est le chef de la dent blanche? Tout à l'autre côté, banane. Ça tombe bien. On a un petit feu. Et je vais me vider l'inventaire tant qu'à faire. De cette bière haut de gamme qu'on appelle la bière de punk à chien, avec une canette de couleur rouge, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est pas bon, mais ça fait le job. Je n'arrive pas à croire. Salut, salut, il est où le marchand? Je veux voir le marchand d'abord. Comment est-ce possible? Bordel, je suis mignon, vous avez bien un marchand, les hippies là. Sérieux? Ça meule? Tu vois? Ouais, bon. Ça n'a rien à bouffer en plus. Mylène, je suis... Bienvenue. Alors? Si c'était un test d'endurance, je pense qu'elle a enduré bien plus que la moyenne. On verra qu'elle... C'est une jeune... Étrange. Elle est avec son nom. Ouais, moi je suis une personne cool. Je suis contre les conflits, je suis pour l'amour. Et c'est pour ça que j'extermine absolument toutes les créatures que je croise.
mais le petit plan gratuit. Pour vous rappeler à quel point ce jeu est laid. Moche. Mal fini, quoi. Avec des textures parfaitement bâclées et dégueulasses. Et un éclairage... mièvre. Comment ça, Oui, c'était du sarcastisme. Du sarcastique XXL. Où je dois aller, bordel? Il vous balade hein, sur la map, le coco. La zone de chasse, c'est quoi? Non, un marchand. Ok, on le verra plus tard. Mais moi, ma quête me dit de retourner tout là-bas, voyez-vous. Pile là où il n'y a pas de feu, comme par hasard. Et c'est quoi cette quête? Et commencer à grimper jusqu'au fût du tonnerre? Je vais déjà m'approcher de la fin. Non, on va faire des quêtes annexes avant, ce serait sympa. Attaque imminente. Non, ça c'est le retour à la cité, faut surtout pas y retourner. Parce que j'ai fait cette erreur de la faire deux fois de suite et je me suis senti vraiment très très ridicule. Embrasement, même endroit. Inondation. C'est pas très fun celui-là. Récompense pour le traître. Trop loin. Armure antique, je l'ai déjà. The Tash, secret partagé. Too far, buddy. The same, too far too. And then party de chasse. Alors, je suis content parce qu'aujourd'hui, les filles, il y a deux filles qui jouent à Horizon Zero Dawn que je connais et qui s'éclatent dessus, pas moi, je pense. Et cet après, mais c'était bien parce que dans le chat TBG, dans le Discord, elles échangeaient leurs expériences. Elles se sont fait tous les camps de chasseurs. Et les camps de chasseurs, bah, c'est marrant. Ouais, les streams, c'est tout ce que j'ai esquivé, quoi, parce que ça me gonfle. Genre, vous avez un but précis, genre éliminer toutes les bestioles en moins de temps, éliminer les bestioles exclusivement, leur en tomber des rondins sur la gueule, que des trucs comme ça. Et elles ont une patience, ces filles, je les admire. Et du coup, bah, c'était vachement mignon de les voir, surtout qu'elles n'ont pas fini le jeu. Et du coup, elles ne regardent pas mes streams parce qu'elles ne veulent pas se spoiler. Mais c'est moi qui leur ai donné de l'envie, quand même. Oui, monsieur K, le grand maître du désir chez toutes les femmes. Conneries dans ce stream. Attaque évidente, non, on a dit. Bah, c'est parti. Non, j'écoute pas trop loin, ça. Ou ça. Bon, ça, c'est gentil. En plus, j'ai un marchand à côté, je pourrais lui refourguer les merdes. Arrête de te bouger comme ça, je veux dire. Et puis, on se chopera ça, tiens, au passage. Hop, téléportation. What? Non. Non. No. You can't do this on stage anymore. Bon, je vais y aller à pied, mais ça va être dégueu, quoi. Go. Go, go, go. Il est où mon autre curseur? Gauche. On y va. Il y a une marche, là. Ouais. Ouf, ça, c'est une grosse marche, dites bon. Allez, on passe par là. Ok. Je pourrais prendre un taxi, mais c'est pas très loin. On va y être rapidement, ça va aller très vite. À moins qu'ils me mettent un traquenard de créatures buffées par une de ces tourelles à la noix. Auquel cas, ça pourrait être assez moche. Alors dans moi, je suis très très curieux de... J'aimerais connaître quelqu'un qui va acheter une PS5 pour essayer le HZD2. Parce que je suis très curieux de voir comment ils ont géré ça. Est-ce qu'ils ont amélioré? En particulier sur l'IA qui est particulièrement bête des fois. Faut dire ça. Je vais faire profil bas. Profil bas pourquoi? Pour ça? Non, tu te moques de moi là. Alors c'est là-dessous qu'il y a un truc qui se passe et c'est quoi ça? Un petit truc, mais on n'a pas la tourelle. Regardez-moi ce bâtiment. Le bâtiment gelé a l'air pas mal. Je me rappelle pas l'avoir visité en plus dans le premier run, c'est sympa. Vous d'accord, la tourelle elle est dedans. Ça va être fort. Oui, elle est dedans. Celle-là, on est obligé de l'infiltrer. Il faut que je fasse tomber cette tour. Tu m'étonnes. On va essayer d'y aller. Ah putain, les finesses, ça va pas que le cas là.
qu'est-ce qu'il a essayé de faire? J'aurais envie de jouer. Oh putain, j'avais pas vu les invisibles. Oh, la fourberie ce niveau. Excellent, un traquenard. Je veux, on va y aller. Ah bah oui, si c'est fait pour pas gagner, vous savez très bien que ça va me plaire, forcément. Retournons-y voir. Alors, j'ai une tourelle à neutraliser. Tant que je la neutralise pas, elle va réparer toutes les machines. Donc je pourrais pas leur péter la gueule tranquillement. Apparemment, il y a des veilleurs, mais pas que. Il y a des petites panthères là, invisibles, bien pénibles, qui vont me semer un bronx assez fabuleux. Ouais, je vais mettre le curseur direct dessus, hein. J'irai chercher le pigment après. Et donc, il ne doit pas y avoir 36 000 manières de parvenir à ses fins. La classe ultime étant, j'imagine, de pirater... pas du tout sur les bonnes munitions en plus. De pirater la tour, ce serait idéal. Vous avez vu où elle est placée, elle est dans la baraque. Je ne vois pas les trucs invisibles, je les vois très très mal. Donc ça va être Chao, comme dit l'expression. Oui, Chao. On va essayer de contourner par la droite, parce que tout le monde est à gauche apparemment. Alors, un truc que je pourrais faire, c'est essayer de monter sur le toit de cette bâtisse. Parce que nous ne sommes pas idiots. Si le jeu m'autorise. Alors ça, c'est pas prévu pour être comme ça. Ouais, me fais pas passer à travers la map, s'il te plaît. Prends toi. Le problème, c'est que j'ai ces trucs là qui vont me dénoncer du moment que... Voilà. Et ça, c'est pas cool. Parce que là, les panthères vont rappliquer, j'ai rien pour me planquer. C'est ça. Ouais, c'est pas mal, ça. La classe ultime, ça serait de pirater cette tour. Mais je pense pas que j'en aurai le temps, je sais pas, je vais essayer peut-être. Le mieux, ce serait de rester là et de tirer et de péter ce truc. Ah putain, ils sont là. Oui, les fameuses panthères prédateurs. Je vais quand même essayer, c'est trop drôle. Normalement tout le monde va geler là. Ah, je le savais. Non, je vais la péter. Très très mal. La tour est buff, vous avez vu le bordel que j'essaie pour détruire une créature. On va calmer le jeu. Donc pirater la petite tour du milieu, c'est pas... Faudrait que je piège avant le tour. Faudrait que je mette des pièges de tour. Ouais, bah, lui... Vraiment très drôle d'observer les mouvements des créatures.
secrètement, j'espère que dans le 2, les créatures vont être capables d'interagir entre elles et de se lier avec le joueur. Ça pourrait donner des situations assez puissantes. Quoi. Ça c'est juste au Kinox. Si tu as fait un tour, tu pourras la contrôler. Faut juste que tu aies le temps de la pirater, chérie. Donc le monde qu'il y a, c'est pas gagné. Alors on va piéger autour. Pour donner peut-être le temps de la pirater. Signale leur pompe de l'énergie. Je les répare. Et je tente. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ouh, c'était chaud. Là, normalement, ils sont tous frozen pour un petit moment. Non, même pas. Oh là 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 là, c'est pas bon ça. Si, là-bas. Je vais m'occuper de ça là déjà. Lui, tout le monde n'aura plus. Elle, je crois pas qu'elle va comprendre ce qu'il va lui arriver avec les câbles. C'est bon. Je fais rien là. Costaud ces trucs, dis donc. Il est chaud ce point, je l'avais pas fait dans le premier run. Je suis super content d'avoir débarqué là-dedans parce que c'est saignant, c'est violent. Bref, comme on aime quoi. Il nous donne des petits bonus tout merdiques. Malgré mes grands efforts. Tue-moi. Bon, on n'est pas venu pour rien, enfin, faire séance photo quand même, c'est important. Je peux encore flinguer ce truc du coup. Elle ne plus jamais, ça marche pas, hein, je veux pas. Saleté. Donc notez pour vous-même si vous venez par là. Idéalement, faut la péter cette tour, faut pas la neutraliser, ça sert à rien. Est-ce qu'on aurait pas une jolie photo par là? Oui, il y a quelques geysers. Et si vous avez regardé les streams précédents, j'ai fait vraiment l'andouille sur, sur le premier que j'ai trouvé parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Et je me suis mis dessus et je vous le déconseille vraiment chaudement. Parce que niveau dégâts, ça envoie du gros, même votre meilleure armure va prendre cher. Oh, quelle rigolade. Oh, c'est dommage que je puisse pas plus m'éloigner. Comment je pourrais faire pour... Parce que vous avez vu le G quoi, c'est monstrueux.
Alors peut-être en vertical si je pivotais. Mais du coup, les commandes vont être un petit peu chaudes à maîtriser. La commande qui me monte. Ah, putain de bordel de... C'est vraiment pas simple dans ce sens-là de faire les clichés quoi. Alors là j'ai un angle de caméra qui est pas trop dégueu. Mais faudrait juste que je trouve le bon pivot. C'est pas simple parce que j'ai deux axes qui sont condamnés. Zut, zut, zut. Out ou comment? Non. Non. Non, non plus. Non plus, non plus. Oh, putain. Yes. Yes, on se rapproche un peu de ce que je veux faire. On n'est pas trop mal là. Faudrait juste que je sois pas pile au milieu parce que là c'est ridicule. Je peux pas descendre plus bas. Je crois qu'on va devoir se contenter de ça, hein, les amis. On va lui mettre une pause bien d'eb, tant qu'à faire. Histoire de pas être venu là pour rien. Oh, elle touche pas le sol, c'est dommage. Ah oh, merde, j'ai pris l'interface. Ils auraient dû prévoir quand même un truc qui fait que quand on appuie sur A, ça prend pas l'interface ou ça l'escamote automatiquement ou ça ne la compte pas carrément sur le cliché. On a le geyser et on va s'éloigner un petit poil. Je vais le mettre par là, je pense que ça m'a l'air bien prévu. Et je pense qu'on va sortir notre belle photo. Il suffit juste d'attendre que le geyser reparte. Bon, en plus j'ai ça derrière, c'est pas mal. Oh, Damnot, j'ai faim. J'ai envie d'un café. J'ai tout envie en même temps, là, ça va être terrible. Ça, on est bon. Pause. On va trouver quelque chose de potable quand même. Peut-être changer l'heure aussi, ça pourrait être pas mal s'il me le permet. On va d'abord trouver cette pause qui ira bien. Oui, je vais faire la photo du geyser dans ma main. C'est obligé, quoi. Je suis désolé, pas désolé.
Pas trop mal ça. Là, désolé, désolé, mais faut que je quitte mes godasses. Je vais m'installer confort quand même. Oui, c'est comme Bruce Willis dans Piège de cristal. Essayez, dans l'avion, ça marche. Vous quittez vos godasses dans l'avion quand vous n'êtes pas bien. Je vous garantis que vous avez les vibrations de l'avion, donc vous contrôlez tout et vous pouvez dormir serein. Ça marche super bien. Pour l'instant, le réglage par défaut est le meilleur. Il n'y a même pas un noir et blanc qui arrive à sa hauteur. Ok, cool. On va essayer de se trouver des conneries. Le problème, c'est qu'elle a les pieds qui décollent du sol, donc c'est vraiment pas crédible, c'est dommage. Ah oui, j'ai pas joué sur l'heure de la journée non plus. On va tenter. Non, fais-moi des grandes ombres bien projetées. Alors, je peux pas reculer plus. Essayer de trouver une bonne densité à tout ça. On va mettre un petit peu de flou volontaire, je crois. L'idée c'est de la mettre elle un petit peu floue pour faire un petit côté Milton à la con. Et là c'est pas mal. Ah, c'est tout un art, hein, de faire la bonne photo. Ça s'improvise pas trop. On va changer l'art. Oui, parce que là, si on n'est pas au courant, il y a un côté spatial, quoi. On a l'impression qu'elle marche sur un truc, une structure, on n'arrive pas à voir que c'est posé à plat.
J'aime bien, ne me demandez pas pourquoi. C'est pour le côté irréel en fait. Pas IRL, hein. Irréel. Pas mal ça. J'ose plus bouger moi. Et on a notre geyser derrière, donc on va essayer d'en faire quelque chose. Fais-moi voir cette mise au point. On a perdu à l'œil. Allez. Est-ce que je peux ouvrir plus mon champ de vision? Très bien. Alors, oui, j'étais interrompu par ce téléphone, alors j'étais bien dans mon jeu là, j'étais bien. Alors, le problème c'est qu'il y a de flotte au-dessus de la flotte. Oui, le flotte au-dessus de la flotte. Bon, là, elle nage, c'est vachement bien, mais du coup, ça fait pas ce que je voulais. Peut-être ça, allez savoir. Why not? Et on se change cet éclairage. Alors, il faudrait qu'il vienne un petit poil plus devant. Et là, je crois que c'est le max de ce qu'on va pouvoir avoir. On va remonter ça. Ça peut vous aider. Alors, je suis en traitement, faut pas que j'oublie. Là, c'est pas mal. Pas mal joli là. Petit pôle sombre. J'ai ma luminosité qui a donf. Ah, on y est. Pas mal.
qu'elle peut pas regarder avec ce pose. Allez, on y retourne. Ah, entre la photo et le téléphone, que d'interruption, dites donc, les amis. Alors, j'étais là pour aller choper mon pigment. Inventaire, j'ai tout refait, c'est parfait. Alors, je sais pas ce que c'est. Allez, c'est encore un désert. Il y a encore un bâtiment là. Encore refaire une photo. Je suis même pas désolé. C'est ça le pire. Ça pique, il va falloir filtrer. Il n'y a rien qui rattrape. Ça va pas marcher. Je crois que je vais même pas me fighter avec les bestioles. Je vais prendre mon pigment et me barrer. Il arrive. Ça va, je me casse, moi. J'ai pas envie de fighter. On va aller. On va aller où la map nous le demande. Donc c'est plutôt par. On va se téléporter à ce feu, hein, ça sera fait. Je check le téléphone, je suis pas désolé. Si. Petit check de phone. J'arrive. Hop, on y retourne. Oh, mon souffle gèle avant même que j'expire. Et encore, t'as pas essayé de... On va s'en passer du détail. Hop. Je pense qu'on va déballer le mulet, hein. Oui, vu la trotte qu'il y a à faire. C'est quand même la meilleure chose à faire. Alors, il est probable que je fasse une petite pause repas. Oui, j'ai pas encore mangé. Pour être fin au repu et affronter cette partie du jeu, qui ne manquera pas d'être épicé. Votre truc.
Bah bravo, ils m'ont niqué ma mafia. On va rester amis les gars. Je vous laisse ma monture, je repasse tout à l'heure, je vous fais la peau, promis. Et je vais en commander les autres, hein. Allô? Oui, il me faudrait une autre monture, ils m'ont pété la mienne. Ça pareil, on va esquiver. Bien que ce soit très très drôle comme passage, parce qu'il y a des minous, plus des dindons, plus... Il y a pas mal de monde en fait. Et ça peut être sport. Mais c'est pas notre objectif, donc... on va tracer et je vais commander une autre monture. Je crois qu'il a plus envie de venir, Mino. En fait, ils me l'ont neutralisé, ça me le bloque dans la zone là-bas. Dommage, Eliane. Ce sera la conclusion. Bon, ça, à 300 mètres, c'est pas... Oui, je sais, en ville, 300 mètres, les blaireaux font ça en trottinette électrique louée, qui sont incapables de marcher avec leur gros cul et leur cerveau en cuit. Et... c'est faisable, hein, 300 mètres. Essayez, hein, c'est pas mal. C'est le 20e des calories que vous devez éliminer chaque jour pour pas être gros. Et donc voilà, c'est pour vous, hein, c'est un conseil. La trottinette en libre service. Je suis pressé que toutes les rivières de France soient remplies et regorgent de ces trottinettes. Parce que c'est quand même un symbole de la connerie humaine et de la fainéantise. C'est pas pire de mon fainéantise. La tour a désactivé mon bouclier. On s'attend à voir des gens qui vont au boulot s'en servir et en fait il n'y a que des blaireaux qui s'en servent. C'est ça qui est assez fabuleux. Et franchement, se foutre de la gueule des blaireaux, ben. Pas à peine de complexe. J'ai cru que c'était un point ennemi. On va faire une pause stream parce que j'ai vraiment très faim. Et puis on se retrouve dans la soirée peut-être. Ou sur YouTube, cette chaîne que vous adorez tant, The Big Game Husky. Je vous rappelle que lundi on a une nouveauté. Je sais pas encore laquelle. Et oui, c'est les aléas du pas direct. Mardi on a une nouveauté au preview, je crois aussi. Mais je sais plus laquelle non plus. Et mercredi, par contre, je suis sûr qu'on a un shmup, mais je suis totalement incertain du titre. Allez, des bisous, prenez soin de vous. Amusez-vous dans HZD, amusez-vous dans tous les jeux vidéo. Et on se retrouve bientôt. J'étais trop sûr. Ciao. J'ai laissé d'autres coureurs me surpasser. Comment ai-je pu oublier qu'on m'arrête jamais?